Big girls don't cry. Je viens d'arriver au Mountain Beach Lodge en Virginie. C'est ici qu'a été tourné Dirty Dancing en 1987. Je suis ici pour les 30 ans du film. Je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble en 2017. Et surtout d'essayer de trouver qu'est-ce qui ressemble encore à ce qu'on voit dans le film. On va avoir à peu près tout ce que vous pouvez imaginer d'activités liées à Dirty Dancing, des visites guidées avec les secrets de tournage du film, des cours de danse. Ça risque d'être une fin de semaine assez intéressante. Ça, c'est le bout où on nous demande de trouver un partenaire de danse. 5, 6, 7, 8. Johnny, with two Johnny. Deuxième journée du week-end de Dirty Dancing et maintenant on fait la visite guidée des lieux avec le barman qui connaît absolument tout du film, y compris les répliques. Now all the scenes that were set in the Virginia cottage where the houseman stayed were actually filmed in there. What's really strange is all the people from all these countries I've talked to and all the language translations, Hebrew, Afrikaans, Urdu, Hindi, you name it, Swedish, whatever, the line is nobody puts baby in the corner except for the German language translation. And for some reason, in the German language translation, it's I want my baby back. Je suis dans l'endroit précis où le film Dirty Dancing commence. Donc on voit la famille arriver par la route et ensuite ils s'en vont au fameux Kellerman's Mountain House parce que le nom, comme vous l'avez vu, a été changé. C'était pas le vrai nom du resort qui est le nom actuel. Et pendant la visite guidée, j'ai appris vraiment un paquet de petits trucs amusants sur le tournage, sur les lieux précis où se déroulaient les scènes parce que vraiment l'essentiel du film a été tourné ici. Mais ils avaient déjà une entente avec un autre resort à l'époque où ils ont débuté le tournage. Donc il y a quand même des scènes qui ont été tournées à l'autre endroit. Forward. You've got that hand change. That's your signal. Time to go. Step to the side. It is you're going to rotate as you close your foot. Dernière soirée, je m'en vais dans la grange de Marie où se tient cette soirée-là dansante. Et la grande question est, pourrais-je endurer mes souliers rouges? Dernière journée de ce week-end Dirty Dancing, presque tous les participants sont partis, alors je vais en profiter pour vous montrer certains secrets de tournage que j'ai découverts hier. Ça, c'est la chambre que Patrick Swayze occupait pendant son passage ici. Et il y a 1 million d'anecdotes. Déjà, on voit, ça a été volé. À peu près tout ce qui se trouve dans cette chambre a été volé au fil des ans. Le rideau de douche plus d'une trentaine de fois, il paraît. On vient juste de faire le check-out et je vois que la porte est ouverte. Room service! Voici la chambre en question. Patrick Swayze n'était pas la seule grande star à résider sur le site pendant le tournage puisque Jennifer Grey sortait à l'époque avec Matthew Broderick qui venait de faire Ferris Bueller, donc un immense succès. Et le cuisinier m'a raconté hier que dès qu'il touchait à quelque chose, que ce soit une fourchette ou une assiette, un couteau, tout disparaissait. Voici le fameux gazebo qu'on voit dans 3 scènes du film. Il était construit pour les besoins du tournage et c'est un peu triste parce qu'aujourd'hui, le lac qui fait face donc, au gazebo a été complètement asséché par un phénomène géologique très rare. Il paraît qu'un jour, l'eau va revenir, mais pour le moment, c'est assez triste. Évidemment, il y a aussi toute une panoplie de t-shirts souvenirs.
Dirty Dancing. La grande question, est-ce que ça vaut la peine de venir ici dans le cadre d'un week-end thématique Dirty Dancing? Je dirais que si vous êtes des méga fans, oui, parce que vous allez vous retrouver entouré d'autres fans qui assument complètement leur passion pour Dirty Dancing, connaissent les paroles des chansons, vont vraiment profiter du trip à fond. Si vous aimez le film et que les dates vous conviennent pas vraiment, moi je vous dirais, pensez plutôt à un road trip en Virginie et venez passer une journée ou deux ici pour vous imprégner un peu de l'atmosphère puis faire la petite visite avec les plaques explicatives. On nous remet une carte à l'entrée, c'est très très chouette. Bref, une belle visite, surtout à faire en gang de filles, je dirais. Il y a des mouches!